Alors, mon avis sur Sublaunch, il est très clair. C'est un outil qui est juste exceptionnel et qui rivalise complètement, alors qu'il en est qu'à ses débuts, avec des gros comme System.io, ClickFunnels, etc., etc. Vous allez voir que c'est juste fou. En fait, on peut créer des pages. Alors, je vais vous montrer plutôt pas le côté éditeur, mais côté ce qu'on voit. Hein. C'est des pages très simples, très épurées, mais qui ont un taux de conversion qui est nettement supérieur à ce que j'ai pu connaître avec System.io, par exemple. On peut faire des choses de dingue et en moins d'une minute. Donc, du coup, je vais vous montrer tout ça. Alors déjà, en termes d'édition, c'est très simple, ce sont des blocs qui sont là. Si on veut ajouter des blocs, on clique dessus, ça les ajoute automatiquement. Vous voyez, il y a ces blocs-là, et ça fait complètement le taf. Le gros avantage de cet outil, quand même, faut le dire, c'est qu'on peut ajouter, en fait, des modules qui vont permettre de débloquer des accès à des groupes privés Telegram, WhatsApp et Discord. Quand la personne, elle paye, elle va rejoindre automatiquement un groupe Telegram, WhatsApp ou Discord. Donc là, si je veux rajouter un groupe Discord, je clique ici, ça le rajoute, je connecte mon Discord. Pareil pour un groupe WhatsApp, pareil pour un groupe Telegram, c'est pas le sujet. Mais du coup, ça permet simplement de monétiser une audience. Par exemple, si on propose des groupes avec des élèves qui ont payé pour rejoindre un groupe privé, un groupe d'élèves en formation, on peut le faire. Si on propose des pronostics sportifs, des signaux de trading ou quoi, et qu'on veut que les élèves rejoignent des groupes privés, on peut le faire. Et l'avantage, c'est que s'ils ne payent plus, ces élèves-là sont retirés automatiquement du groupe. Donc, ça nous évite d'aller chercher les gens qui n'ont pas payé pour les retirer des groupes, chose qui est quasiment impossible quand on commence à avoir beaucoup de clients. Donc, voilà ce qu'on peut créer. On peut créer des choses qui sont assez exceptionnelles et on voit qu'il y a des gros, gros noms qui utilisent déjà cet outil. Et pourtant, ces personnes-là ont déjà des sites internet pour la plupart. Donc, vous connaissez peut-être certaines de ces personnes-là. Voilà, qui propose, donc Ulysse, hein, qui est le plus connu. Voilà, quand on clique, hop, il y a sa tête qui apparaît, il parle, il vend son produit. Pareil, il vend des clubs privés, il peut vendre aussi des accès à des formations, parce que oui, on peut vendre aussi des accès à des formations. On vend des accès à des groupes privés, mais on peut aussi vendre des accès, débloquer des accès à des groupes de formation. Donc mon avis sur Sublaunch, il est clair, c'est un superbe outil. D'ailleurs, je vais montrer ce que génèrent certaines personnes là, juste avec Sublaunch. Ça, c'est ce que génèrent certaines personnes par mois. Et encore, on est que en début septembre, on est le 5 septembre. Elles ont déjà généré 21 000 dollars. Pourquoi ? Parce que y a beaucoup de personnes qui mettent des abonnements mensuels. Et du coup, ça fait cumuler. Cette personne-là, de mémoire, le mois dernier, elle était à 100 000 dollars. C'est quand même exceptionnel. Mais pourquoi ? Parce que les pages sont hyper, hyper optimisées. Quand on clique, par exemple, sur « Rejoins maintenant », alors là, on peut mettre des jours gratuits, on peut mettre des prix barrés, on peut faire payer par mois, par jour. Bimensuel, trimestriel, par an. On peut même mettre des offres à vie. Là, je montre un autre exemple. On clique sur payer pour payer, par exemple. Et là, on paye directement. On peut ajouter un code promo. Et si on est sur Android, il apparaît le bouton Apple Pay. Et si on est sur iPhone, donc sur mobile, mais sur iPhone, il apparaît le bouton Apple Pay. Et là, on peut cliquer en un clic, on peut acheter. La personne peut acheter. Et ça, c'est hyper puissant. Cet outil-là, mon avis, vraiment, hein, il est peut-être très tranché, mais mon avis, Sublaunch, c'est que c'est un superbe outil, vraiment, pour ceux qui veulent monétiser leur audience et qui savent pas comment faire, pour ceux qui veulent créer des pages en rien de temps, vous avez cet outil. Je vais vous montrer comment créer une page, hein, vous allez voir, c'est très simple, on va dans Pages, ici, hop, je clique sur, voilà. Donc là, c'est mes formations, donc j'ai créé une formation, une deuxième formation et une page de vente. Bon, je veux créer, admettons, une autre page de vente. Je clique sur ici, là, Launch a new page, je choisis la couleur de ma page, donc je vais mettre, par exemple, le rouge, je mets n'importe quoi. On veut une page payante ou on veut créer... Alors là, je veux créer une page de payante. Là, c'est pour créer une formation. Et là, pour créer une page pour capturer des leads. D'accord ? Parce qu'on peut capturer aussi des leads. Là, je dis que je veux délivrer, par exemple, un accès à un groupe privé Telegram, un accès à un groupe privé Discord, un accès à un groupe privé WhatsApp, par exemple. Et je veux délivrer un accès à qu'une formation. Et je peux mettre un lien vers autre chose. Si je veux mettre un lien vers un autre site ou quoi, je peux le faire. Là, je ne vais pas le faire. Je choisis ma devise, on va dire euros, prix, donc par mois. Je veux faire payer, par exemple, un abonnement à 39 euros par mois. Je peux mettre une période d'essai. Alors, si vous savez pas, vous comprenez pas trop l'anglais, vous faites un clic droit sur Chrome et vous mettez traduit en français. On peut ajouter un deuxième prix. Admettons que je veux un prix et je veux mettre un prix à vie. Monthly, je l'enlève. Je mets lifetime et je mets que pour 397 euros, la personne elle a un accès à vie au groupe privé, Telegram, WhatsApp, Discord et à la formation. D'accord ? Là, je vais mettre le lien. Donc, bien sûr, vous avez, si vous voulez vous inscrire à cet outil, vous avez un lien dans la description de cette vidéo ou juste sous cette vidéo. Vous avez 10% offert sur le forfait payant, mais vous avez un forfait gratuit. Donc, prenez le forfait gratuit pour commencer. Et vous pouvez faire tout ça. Hein. Tout ce que je vous montre là, vous pouvez le faire avec le forfait gratuit. Je vais vous expliquer la différence après. Là, vous mettez par exemple votre nom. Par exemple, admettons que vous vendez, je sais pas moi, un accès à un groupe privé d'élèves. Vous l'appelez par exemple et que votre formation, votre accompagnement s'appelle, je vous dis n'importe quoi, Saphir Formation. Vous l'appelez, voilà, Saphir Formation. Hop. Donc, les gens pourront arriver à votre page de vente grâce à cette URL-là. Là, vous l'appelez bah, Saphir Formation, vous mettez le titre de votre formation. Donc, je vais mettre là, je vais mettre hein, Saphir Formation, par exemple, j'ai n'importe quoi. Photo de profil, vous mettez une photo de profil, vous cliquez sur Add Photo, vous mettez votre photo de profil, je mets n'importe laquelle, et la langue, je mets français, et je mets Créer la page, et c'est fini. La page, elle est créée. Après, bien sûr, je peux
Alors après, bien sûr, je peux bien sûr faire quelque chose de différent, centrer, je peux mettre une marge en haut, je peux mettre des marges en bas, je peux mettre un slogan, je mets n'importe quoi. À propos, on peut mettre aussi quelque ce qu'on veut, on peut aussi le supprimer si on veut pas, un delete. Là, j'ai mon accès à groupe Telegram, Discord et WhatsApp. Alors pour relier mon Telegram, Discord et WhatsApp, c'est très simple. Vous cliquez dessus, vous suivez les instructions et vous reliez votre groupe Telegram, Discord et WhatsApp. Là, vous liez votre formation. Donc moi, j'avais déjà créé deux formations. Donc je vais prendre la formation 1. Voilà, elle est liée. La personne me prend débloquer la formation 1. Alors, unname, je peux modifier le nom, bien sûr. Je le mets là. Là, je mets rien, mais je peux l'appeler, par exemple, formation Saphir. D'accord ? Ou formation 1. Ou comment faire, comment générer tant d'euros par mois, par exemple. Une FAQ. Je peux ajouter, bien sûr, des avis. Donc, j'ai juste à cliquer là. Hein, ça rajoute des avis. Je peux ajouter une photo de profil. C'est déjà fait. Je peux ajouter une vidéo, par exemple. Hop, on peut ajouter une vidéo YouTube ou la télécharger nous-mêmes. Donc, je vais mettre une vidéo au pif. Quoique, j'ai pas d'adresse, donc bon, je vais rien mettre. Mais bon, la vidéo, elle apparaîtra là. Ensuite, on peut mettre des images, bien évidemment. Donc là, je vais ajouter plein d'images. Une image. Deux images. Trois images. Hop, on sauvegarde, bien sûr. Et on peut faire défiler les images. Alors, bien sûr, les images... Hop, la troisième n'a pas été prise en compte, je le refais. Alors bien sûr, là, on peut ajouter autant d'images qu'on veut. Sur mobile, il n'y a pas ce scroll-là, hein, ça se fait au doigt, donc ça n'apparaîtra pas. On peut choisir voilà, les options de paiement qui sont ici, on peut en mettre plus. C'est quand même assez exceptionnel. Franchement, mon avis sur ce blanc, c'est énorme, vous devez le tester en fait. Testez-le, vous verrez, c'est gratuit. Là, regardez, j'ai déjà tout créé. Si je veux créer une page de formation, pareil, hein, je vous ai montré, je clique ici. Et je vais rajouter une formation, je clique sur Launch a New Page. Et je vais sélectionner, par exemple, bah, créer une formation. Ce qui va me donner ce genre de choses. Et quand je vais cliquer dessus... Eh ben, je vais pouvoir ajouter mes modules de formation. Vous voyez, donc là, j'ai ajouté des modules. Et si je décide de voir à quoi ça ressemble, je vais dans Share, je partage, ça m'ouvre la page. Voilà, donc là, j'ai mes formations, je clique dessus, hop, je peux passer à la formation numéro 2, numéro 3. Voilà, c'est hyper intuitif, hyper intuitif. Franchement, quoi dire, votre avis, pareil, m'intéresse, hein, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur Sublaunch. Moi, personnellement, je trouve très puissant l'outil. En plus, vous avez la possibilité d'ajouter un système, je vais vous montrer ça directement, hop, un système d'affiliation, vous cliquez dessus, vous allez pouvoir créer votre propre système d'affiliation pour que les personnes qui recommandent votre produit, qui vous emmènent des clients, vous leur reversez automatiquement, par exemple, 30, 40, 50%, 10% de votre abonnement ou de vos tarifs. Du coup, ce qui fait que vous allez pouvoir développer votre business de manière considérable. Donc voilà, avis très positif sur Sublaunch, vraiment, avis très positif. Il n'y a rien à faire, en fait, en moins de 20 minutes, vous allez tout configurer, vos prix, vos pages, faire quelque chose de propre, de concret. Voilà, donc si vous voulez vendre des formations en ligne avec une page de vente optimisée et si vous voulez bien sûr monétiser votre communauté en délivrant des accès à des groupes privés Telegram, WhatsApp, Discord, Sublaunch, il est fait pour vous. Et d'ailleurs, là, vous voyez, dans le dashboard, on peut aussi voir les statistiques, les visiteurs, les ventes, on peut vraiment tout voir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que mon avis sur Sublaunch vous aura donné envie de le tester. Vous avez le lien sous cette vidéo, dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller cliquer dessus. Ah oui, je vous ai pas parlé des tarifs. La version gratuite, elle est gratuite parce qu'en fait, quand vous faites une vente, 15%, vous avez 15% de frais sur la vente. Mais au moins, la version, elle est gratuite. Et ensuite, quand vous commencez à faire beaucoup de ventes, quelques dizaines de ventes par mois, ben, ce que vous faites, c'est que vous passez au plan payant. C'est 50 euros par mois. Et par contre, il n'y a que 4% de frais sur vos ventes. Voilà, donc ça vaut largement le coup. Je vous dis, le taux de conversion, il est nettement supérieur à ce que j'ai pu faire moi personnellement et tester sur d'autres plateformes très connues, donc je vais pas citer les noms, mais voilà, vous avez compris. Là, franchement, vous pouvez faire un fois deux fois trois en termes de taux de conversion vraiment de manière simple, rapide, efficace. Donc si vous voulez vous lancer, vous avez Sublaunch, vous connaissez maintenant mon avis, et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.